Bonjour, bonsoir, désolé, nous étions un petit peu plus longs dans notre cours Zoom, c'est pour ça que je suis un peu en retard. On va attendre quelques minutes pour voir si les autres arrivent et nous allons commencer notre cours. Attaquer, puis on va voir si les autres arrivent, et puis sinon c'est pas grave, nous serons entre nous. Bonsoir Judith, bonsoir Méron, bonsoir Émilie, ou bonjour, bonjour ou bonsoir Sohail, et bonjour ou bonsoir Ben Maï. Ice Cube est là, bonsoir. Très bien, j'imagine que les autres arriveront. Et puis, il n'y a pas de problème. Regardez, on va commencer comme d'habitude. Commençons. Mais oui, commençons. Je suis d'accord avec vous, Sohail. On y va. Regardez, écrivez-moi une petite phrase pour me dire ce qui se passera l'année prochaine, tout simplement. À la bonsoir, nous espérons que vous allez bien, s'il vous plaît. Hic, rebonsoir à tous, ça fait plaisir de vous voir. Écrivez-moi une petite phrase pour me dire l'année prochaine, je voudrais. Abir est là, Emma est là et Joseph est là. Bonsoir Joseph, ça fait plaisir de vous voir. Allez-y, une phrase s'il vous plaît et je corrigerai si c'est nécessaire.
Alors, Judith commence avec... Alors, faites attention, Judith. L'idée, souvenez-vous, c'est que je... En fait, je commence la phrase avec « l'année prochaine, je voudrais ». Donc, en fait, je commence la phrase avec un verbe conjugué. Ça veut dire, Judith, que le deuxième verbe va être à l'infinitif. Donc, « parle », en fait, vous devrez le mettre à l'infinitif. « Parler », E-R... français, et faites attention parce que vous avez mis courant. Courant, c'est un adjectif. Ça veut dire que l'adjectif, normalement, il est là pour être lié à un mot, mais pas à un verbe. Quelque chose que vous allez utiliser comme un adjectif pour un verbe, on appelle ça un adverbe. Adverbe que vous ajoutez au verbe. Et l'adverbe de courant, c'est couramment, C-O-U-R-A-M-M-E-N-T. Donc Judith, vous nous dites, l'année prochaine, je voudrais parler français couramment, et c'est possible. À mon avis, ça va marcher. Soyez optimiste et tout ira bien. Fikra nous dit, l'année prochaine sera magnifique. C'est vrai, voilà, Fikra, quelqu'un d'optimiste. Ça fait plaisir aussi. Abir qui nous dit, l'année prochaine, je voudrais chercher un nouvel emploi. Magnifiquement écrit et tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Ik nous dit, l'année prochaine, je voudrais être F. Qu'est-ce que ça veut dire, Ick? Ah, une frustration terrible, je ne comprends pas. Méron nous dit, l'année prochaine, je voudrais apprendre à dessiner. N'oubliez pas la préposition à dessiner. Classis est là, écrivez-nous une petite phrase, s'il vous plaît. Ick, ah, finalement. Donc, l'année prochaine, je voudrais être une vraie francophone. C'est possible, tout est possible. Il faut être motivé et tout ira bien, pas de problème. Claudia nous dit bonjour et nous lui disons bonjour, Claudia. Ice Cubes, l'année prochaine, je voudrais parler français comme Vincent. Eh bien, c'est possible, Ice Cubes, c'est juste une question de motivation. Mamana qui nous dit bonsoir, Mamana, écrivez une petite phrase. Claudia, l'année prochaine, je voudrais passer le DELF. Claudia, quel niveau de DELF, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à demander. Joseph nous dit, l'année prochaine, je voudrais, attention Joseph, infinitif, parler, E-R, et écrire, I-R-E, bien le français. Donc Joseph, hein, deuxième verbe, parler, E-R, et je voudrais écrire, deuxième verbe, infinitif aussi. Ben Maé nous dit, l'année prochaine, je voudrais pouvoir utiliser le français pour mon travail ou pour le travail, c'est comme vous voulez. Les deux sont corrects, hein, Ben Maé, pas de problème. Alors, Alechina qui nous dit, l'année prochaine, je voudrais venir en France. Eh bien, pas de problème, bienvenue. Ensuite, Classis nous dit, l'année prochaine, je voudrais aller en vacances. C'est vrai que les vacances, c'est important, Classis. Surtout dans cette période où on ne peut pas se déplacer. Émilie nous dit, l'année prochaine, je veux rendre visite à mon ami en France. On ne s'est pas vu depuis 2 ans. Je veux aussi parler français complètement couramment. D'accord. Alors, Émilie, vous savez, il y a toujours cette discussion. Alors après, grammaticalement, votre structure, elle est correcte. Si on réfléchit bien, il y a toujours cette discussion, Émilie, sur le « on ». C'est-à-dire le « on », grammaticalement, c'est troisième personne du singulier, mais c'est quand même un petit peu une notion plurielle. Donc, comme vous l'avez écrit, c'est bien. Si vous voulez mettre un « es » à votre vue, ce serait acceptable aussi. C'est juste, c'est correct, Émilie, mais juste si vous mettez ou si vous voyez avec ES, c'est pas une faute, ok? C'est juste pour votre information. Ivan nous dit, j'espère que l'année prochaine, j'apprendrai bien les conjugaisons. Pas de problème, Ivan. Franchement, j'ai fait beaucoup de vidéos systématiques.
J'ai fait des vidéos qui touchent aux 400 verbes les plus utilisés en français dans les 11 ou 12 temps les plus utilisés en français. Vous avez beaucoup de possibilités. Quand vous aurez compris, Ivan, la mécanique, après, ce sera facile. Le présent, c'est difficile. Le reste, c'est assez simple. Samantha Curtis nous dit l'année prochaine, je voudrais que mes vacances. Attention, attention, je voudrais que, monsieur, vous nous mettez un magnifique subjonctif après vacances. Soit. Soient. Pas de problème, Curtis, si vous allez à Paris. Nous pourrons prendre un café ensemble, si vous voulez. Emma nous dit, l'année prochaine, je voudrais jouer du piano 2 heures par jour pour, attention Emma, pour me préparer aux auditions d'université. Ouais, souvenez-vous, hein, se préparer, c'est l'infinitif, mais vous devez adapter le pronom, hein, de votre infinitif pour me. Et après, vous mettez votre infinitif préparé. OK? Batoul, l'année prochaine, je voudrais parler, infinitif ER, et écrire RE, bien français. Claudia, je voudrais passer le DELF B2, mais je ne sais pas si ce sera possible. Claudia, c'est toujours possible. C'est toujours possible. J'ai aidé des personnes à passer le B2. C'est possible. Il faut être optimiste. Il faut travailler. Tout est possible. Ensuite, Mehdi nous dit, l'année prochaine, je voudrais compléter mes études en France. Ben, écoutez, Mehdi, tout est possible aussi. Michel qui nous dit, l'année prochaine, je voudrais faire un tour du monde. Ah là là, c'est sympathique. Ça, c'est un beau projet. Espérons que le virus aura disparu et que vous pourrez aller partout où vous voulez. Finzark nous dit, l'année prochaine, je voudrais coloniser un autre pays. Faites attention, Finzark, le mot ou le verbe coloniser est un petit peu délicat dans certaines régions du monde. En Europe, on fait très attention avec le verbe coloniser parce que, Finzark, le verbe coloniser fait référence à l'histoire un petit peu traumatisante. Donc, on utilise coloniser avec des pincettes, comme on dit. I Just Called qui nous dit, je voudrais faire mes rêves deviennent réalité. Ouais, utiliser, réaliser mes rêves. Hein. Réaliser mes rêves, c'est un petit peu trop, ça fait penser à l'anglais. Je voudrais réaliser mes rêves. D'accord? Donc comme ça, ce serait bien. Finzark, je voudrais changer ma voix parce que je pense que ma voix est bizarre. Mais non, on a tous notre voix et c'est bien. Émilie, allez. Ah d'accord, Émilie s'explique. Discute avec Emma. Allez, on attaque pour le reste, si vous voulez bien. C'est l'exercice. Attendez, il y a des problèmes comme d'habitude. Voilà. Décrivez la photo, s'il vous plaît. Allez, une phrase et puis ben, on va attaquer le reste. Hein. Thank you.
Alors, regardons ce que vous avez écrit. Sohail, oui, l'idée, Sohail, c'est de d'écrire une phrase, peut-être. Parce que si vous mettez juste faire la fête, je n'ai pas vraiment d'informations sur la façon dont vous structurez vos phrases. Et là, ce n'est pas un quiz, c'est juste la possibilité pour vous d'écrire une phrase et de voir si c'est nécessaire d'être corrigé ou pas. Ensuite, alors, Diane qui nous dit « Ils sont faire les vacances de l'été ». Ouais, faites attention Dayang, parce qu'en général, on utilise plutôt passer les vacances. Hein. Donc, il passe, vous pouvez le mettre au présent, hein, P-A-S-S-E-N-T, les vacances d'été, d'accord. Faites attention, c'est pas de l'été, mais c'est d'été. Hein. Il passe des vacances d'été. Ensuite, Émilie, il s'agit d'un groupe de famille ou d'amis qui pique-niquent, magnifique verbe, et boivent du vin. On dirait qu'ils sont en voyage de camping et qu'ils pourraient fêter quelque chose. Ben écoutez, c'est parfait, Émilie, comme d'habitude. Sohail, c'est pareil. Sohail, s'il vous plaît, des petites phrases plus que juste des mots. Ick nous dit, c'est pas grave, Sohail, hein, il y a des amis qui s'amusent entre eux en buvant magnifique gérondif, ick, du vin dans un jardin. Ça, c'est une structure vraiment, vraiment sympathique, ick. Ça, c'est bien. Donc, en buvant, vous avez magnifiquement maîtrisé le gérondif. Donc, je dis bravo, vous pouvez être fier de vous. Lynn nous dit, les gens sont faire du camping dans le bois. Faites attention, Lynn, parce que faire du camping, hein, donc il n'y a pas de E à du, mais c'est pas grave. Dans ces cas-là, faire, on l'utilise avec avoir, hein, si vous voulez l'utiliser au passé composé, Lynn. Les gens ont, donc O-N-T, fait, F-A-I-T, ok. Les gens ont fait du camping dans le bois. Et là, c'est magnifique. Merci beaucoup Judith qui nous dit « Il y a des amis qui profitent du temps ensemble ». Alors faites attention Judith, si vous dites « amis », « i-e-s », ça veut dire que c'est le féminin pluriel, d'accord. Et donc ça veut dire que vous décidez finalement de décrire un groupe uniquement constitué de femmes ou de filles. Si c'est plus général, avec des hommes, avec des femmes, dans cette situation, vous écrivez ami, A-M-I-S. D'accord ? Et là, c'est masculin et féminin. Ivan nous dit, il y a 6 personnes qui... Alors, ouais. Ivan, faites attention. Alors là, c'est un petit peu... c'est un petit peu... Souvenez-vous, le verbe, c'est prendre. On est d'accord, Ivan ? Le verbe prendre, souvenez-vous, il est compliqué parce que quand vous conjuguez « je prends »,« tu prends »,« des »,« des »,« il prend des », »,« nous prenons »,« vous prenez », »,« ils, elles prennent ». Et c'est ça que vous voulez. P-R-E-N-N-E-N-T. Ok, Ivan ? Donc, il y a 6 personnes qui prennent des apéritifs. Ok, et là, c'est parfait. Bonsoir, Shaimae, vous pouvez écrire une phrase, s'il vous plaît. Finzark, les gens ont bu la bouteille d'eau, d'eau colorée. Qu'est-ce que c'est de l'eau colorée? C'est encore une nouvelle définition. On va inventer des mots avec Finzark, c'est formidable. Émilie, ok, ça continue la discussion. Ensuite, Ben Maé qui nous dit « Les gens font la fête dehors, pas comme nous ». Félicitations. Et c'est vrai, c'est triste, hein, mais c'est correct. Triste, mais correct. C'est ça, finalement, Ben Maé. Batoul qui nous dit « Cette photo fait partie de nos rêves pour sortir et... » Ouais, regardez, « nos rêves », donc ça veut dire que ce sera pas s'amuser, mais ce sera et nous amuser.
Vous voyez, parce que vous avez commencé avec le nous, enfin avec le no, hein, on est d'accord. Donc, cette photo fait partie de nos rêves pour sortir et nous amuser entre amis. Et là, c'est parfait, Batoul, merci beaucoup. Joseph qui nous dit, dans la photo, il y a 6 personnes, 3 femmes et 3 hommes. Ouh là là! Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'ils sont. Faites attention, Joseph. Je pense qu'ils sont des amoureux et ils sont en pique-nique. Merci beaucoup, Joseph. Un homme très précis qui arrive à compter toutes les choses. Classis a retiré son message. Claudia, dans la photo, il y a. Faites attention, Claudia, masculin. Un groupe d'amis. Ils passent du temps ensemble en parlant. Magnifique gérondif. Ils boivent de la bière, ils ont l'air de bien s'amuser. Eh Claudia, c'est parfait. Continuez comme ça, tout ira bien pour le B2. Mehdi, dans la photo. Alors, attendez. Dans la photo. Mehdi, faites attention, dans ces D-A-N-S. Ok, dans la photo, il y a. Faites attention, Mehdi, il y un espace A. Des personnes qui, et vous mettez le pluriel, Mehdi, qui font le pique-nique, oui. Il y a un verbe qui est pique-niquer, hein, qui pique-nique et discute. Mehdi, il faut conjuguer vos verbes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lynn, je vous en prie. Classis, beaucoup d'amis qui ne sont pas... Qui ne sont pas, restent 6 pieds... Ah ben oui, mais Classis, pour vous c'est des pieds, pour moi c'est des centimètres ou des mètres. Ah oui, parce que personnellement, Classis, j'ai des petits pieds. Victoria, bonjour, je suis en retard. Pas de problème, Victoria. Abir, il y a des amis qui font un pique-nique dans... Faites attention, Abir, forêt, c'est féminin, d'accord. Donc l'article, ce sera juste dans la forêt. Le reste, Abir, c'était parfait, comme d'habitude. Allez, on attaque avec l'exercice. Regardez, ce sont des structures dans lesquelles on va utiliser « quel », d'accord. Donc vous... n'aurez pas beaucoup à réfléchir. Comme vous savez, on fait systématiquement des exercices qui sont un petit peu répétitifs. Voilà la première phrase. Vous utilisez systématiquement quel, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je regarde vos réponses, je pense que tout va bien jusqu'à maintenant. Idéalement, vous finissez votre phrase avec un point d'exclamation. Ouais. Souvenez-vous, et vous voyez bien sur votre écran la différence entre l'anglais, je ne connais pas votre langue maternelle, mais en tout cas là, l'anglais et le français. En français, on va systématiquement mettre un espace avant le point d'exclamation. Ce sera la même chose avant le point d'interrogation. On met toujours un espace avant le point d'exclamation ou d'interrogation.
D'accord? Donc ça, c'est juste pour votre information, parce que c'est toujours pratique à savoir. Mais quand je regarde vos réponses, oui, Michel, Michel qui nous dit quelle belle ville. Je crois que vous aviez dit quelle belle journée, hein, mais tout ça, c'est très positif et c'est ça qui est important. Judith nous dit magnifique. Oui, pourquoi pas. Vous avez bien utilisé la structure, Judith, hein, donc c'est l'utilisation de quel qui nous intéresse ici. Donc, quelle belle ville, quelle magnifique ville. Tout ça, c'est correct. Regardez la phrase suivante, s'il vous plaît. Rory nous demande pourquoi l'espace, pourquoi pas. Je pense que vous savez en général, Rory, quand on pose la question pourquoi l'espace, la réponse en français, c'est souvent parce que c'est plus joli. Alors Joseph pose une question qui est très intéressante, effectivement. Il dit, est-ce que nous avons besoin ou nous n'avons pas besoin de l'article défini? Eh bien non, parce que comme vous remarquez, Joseph, déjà dans la première version, quelle jolie ou quelle belle ville ou quelle magnifique ville, ici ce sera exactement la même chose. On ne met pas l'article défini. Quelle grande maison. N'oublions pas de mettre le féminin parce que maison, c'est féminin. Je regarde vos réponses. Tiens, Christine est là. Oh yeah, Christine. Christine est une membre. Merci beaucoup, Christine. Mehdi nous donne une bonne réponse. Judith, c'est parfait. Victoria, c'est parfait. Classis, c'est formidable. Joseph aussi. Donc vous avez, hein, vous voyez Joseph là, la logique. Pas d'article, ok? Mais par contre, l'adjectif, il est féminin parce que maison, il est féminin. Batoul, c'est bien. Berilla, pas de problème. Ensuite, je regarde Ivan. Ivan, ouais, impeccable, hein. Pas de problème. Tout ça, c'est clair pour tout le monde et c'est formidable. Regardons, la prochaine. Oui, Rory. Rory dit qu'effectivement, quand il met son clavier sur le français, il y a un espace. Ouais, Rory, c'est normal. Donc, il y a une logique qui est un petit peu différente. Et on considère que. Et c'est vrai, bon, c'est discutable. Esthétiquement, je suis français, je considère que. L'accent, enfin pas l'accent, mais le point d'exclamation ou le point d'interrogation. Avec un espace, visuellement, c'est plus joli, mais c'est discutable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs possibilités maintenant. On a bizarre. Alors, faites attention, Emma, parce que on est dans le féminin, Emma. Et donc, histoire, c'est féminin. Ça veut dire que quel, il devra être au féminin. Donc, Q-U-E-L-L-E. Donc, quelle histoire bizarre, quelle histoire étrange. Étrange, je l'accepte. Bizarre, je l'accepte. Drôle, alors je vous ai donné drôle. Drôle, il est intéressant parce que drôle, ça peut être comique.
mais ça peut être synonyme de bizarre aussi. Alors, Ivan nous dit chelou. Alors ça, c'est du langage de jeunes. Ivan nous utilise chelou. Chelou, c'est du verlan, donc c'est pour louche. Louche, c'est bizarre, c'est étrange. Et donc après, on intervertit effectivement les syllabes. Chelou, c'est louche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je regarde étrange histoire, histoire bizarre. Donc c'est comme vous voulez. Que ce soit drôle, que ce soit étrange, que ce soit bizarre, que ce soit louche ou chelou, c'est tout à fait acceptable. Ouais. Oui, Classis dit que drôle, oui. Faites attention, Classis. Drôle, je vais prendre une minute, juste pour Classis et pour les autres. Drôle, c'est un adjectif qui peut être avant ou après le mot. Ça veut dire que si vous dites, comme ici, une drôle d'histoire, c'est une histoire bizarre. Mais si vous dites une histoire drôle, c'est une histoire amusante. Donc, la position de l'adjectif avant ou après le mot va changer la signification de cet adjectif. Avant le mot, une drôle d'histoire, c'est bizarre. Après le mot, une histoire drôle, c'est amusante, comique, comme vous dites en anglais, funny. D'accord ? Alors, nous continuons, si vous voulez bien, regardez cette phrase. Regardons ensemble. Émilie posait une question qui était une bonne question. Est-ce qu'il y a des différences entre les examens du DELF et du DELF junior en termes de niveau ou non ? Pour être totalement franc, je n'ai jamais participé ou je n'ai jamais créé de document pour le DELF junior. Donc, je vais regarder. Et je pourrais vous répondre, Émilie, j'ai pas envie de vous dire des choses qui ne sont pas correctes, donc je vais regarder. Logiquement, les certifications A1, A2, B1, B2 correspondent à des acquisitions, et donc ce serait bizarre, mais je vais regarder et je pourrais vous répondre un petit peu plus tard, Émilie. Alors, revenons à nous. Mouton, comme on dit. Voilà, c'était quelle histoire intéressante. Nous sommes d'accord, tout le monde a bien mis quelle. Et là, c'est parfait. On met notre histoire ici. Faites attention parce qu'intéressant, c'est un adjectif qui se positionne comme la majorité des adjectifs en français après le mot. Souvenez-vous que ceux qui viennent avant,
c'est ceux qui sont un petit peu bizarres, on va dire. Donc, quelle histoire intéressante, on va le mettre au féminin, parce qu'histoire, c'est effectivement intéressante. Eh bien, pas de problème, tout est clair pour vous. Allez, à vous la parole maintenant. Je pense que vous avez compris la façon d'utiliser lesquelles. Et oh, regardez, c'est magnifique. Quand j'étais enfant, idéalement, vous essayez de me mettre de l'imparfait. Merci. Alors, regardons, Michel est le premier à nous dire « Quand j'étais enfant, j'adorais nager en été ». Et c'est vrai que c'est sympathique. Hein. Un petit peu le côté Madeleine de Proust hein, qu'on va tous découvrir ensemble. Alors, Curtis Toussaint-Monta nous dit « Quand j'étais enfant, je jouais tout le temps avec ma petite sœur ». Moi également, mais c'était ma grande sœur. Hein. Émilie nous dit « Quand j'étais enfant, enfin, je suis encore enfant, donc je ne sais pas ce que je suis censé dire ». C'est pas grave, en tout cas c'est très très bien écrit, Émilie, comme d'habitude. Dayang nous dit « Quand j'étais enfant, oui, alors faites attention Dayang, logiquement on devrait utiliser, Dayang, l'imparfait ». Donc j'aime, ok, c'est le présent, mais on va le mettre à l'imparfait, j'aimais, A-I-M-A-I-S. J'aimais bien, et faites attention, Dayang, neige, c'est féminin. Donc, j'aimais bien la neige, et là, ce sera parfait. Dan Ronald nous dit, quand j'étais enfant, je, alors attention, regardais... Beaucoup, c'est un adverbe. Adverbe, ça veut dire après le verbe « je regardais beaucoup la télévision ». Et là, c'est magnifique, Dan Ronald. Merci beaucoup. Claudia, quand j'étais enfant, je voulais devenir chanteuse. Eh bien, écoutez, c'est formidable. En tout cas, c'est bien écrit. Classis nous dit « Quand j'étais enfant, j'habitais avec ma grand-mère ». Souvenez-vous, Classis, qu'entre grand et mère, il y a un trait d'union, vous savez, un tiret. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas un seul mot. Hein. Hic nous dit « Quand j'étais enfant, j'étais hyperactive, j'ai fait des bêtises ». Ouais, faites attention avec « bêtises ».
C'est un E, c'est pas un I. Bêtise bizarre et incroyable. C'est sympathique en tout cas. J'aime bien la façon de définir les bêtises bizarres et incroyables. Merci beaucoup, Ick. Ice Cubes nous dit « Quand j'étais enfant, j'aimais jouer avec mes amis. » C'est très bien. Judith, « Quand j'étais enfant... » Alors faites attention, Judith. Là, c'est l'imparfait. Alors l'imparfait du verbe que vous voulez utiliser, le verbe c'est aller, ok? Donc aller, l'imparfait ça va être allait, A-L-L-A-I-S. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école. Très bien, Christine qui nous dit quand j'étais enfant, je suis allée. Alors Christine, il faut conjuguer votre je suis allée, aller. Vous allez le mettre E accent aigu, E, parce que c'est le passé composé et c'est le féminin parce que vous êtes une femme. Victoria nous dit « Quand j'étais enfant, j'ai joué beaucoup ». Faites attention Victoria, alors quand on commence à mettre un adverbe, « beaucoup », c'est un adverbe. Et là, vous avez une structure qui est un passé composé. Passé composé, ça veut dire que vous avez deux formes. D'abord, vous avez « avoir » ou « être », ici « avoir ». Après, vous avez le participe passé « jouer ». Vous allez mettre l'adverbe juste après « avoir » ou « être ». Quand j'étais enfant, j'ai... Et boum, vous mettez l'adverbe. Beaucoup joué. D'accord ? Systématiquement comme ça. Toujours l'adverbe, vous allez le mettre après... l'auxiliaire être ou avoir. Et là, c'est parfait. Merci beaucoup, Victoria. Habir, quand j'étais enfant, je rêvais d'être... Ouais. Habir, vous devez mettre le féminin, souvenez-vous. Pharmacien. Pharmacien, c'est le masculin, mais vous, vous êtes une femme, donc vous mettez le féminin. Souvenez-vous, le féminin des mots qui sont en ien, i-e-n, ça va être i-e-n-n. E, pharmacienne, d'accord ? Donc, quand j'étais enfant, je rêvais d'être pharmacienne, Abir, et là, c'est parfait. Ben Maé qui nous dit, quand j'étais enfant, oups, excusez-moi Ben Maé, je vous ai perdu, je ne connaissais que le japonais. Effectivement, là c'est parfait, pas de problème. Emma qui nous dit, quand j'étais enfant, je... Alors faites attention Emma, le verbe c'est chanter, ok? Et encore une fois, si c'est pas clair pour l'imparfait, j'ai fait des vidéos sur l'imparfait. Alors faites attention, le verbe chanter, c'est un verbe régulier, et donc l'imparfait c'est je chantais, C-H-A-N-T-A-I-S. Je chantais, et en général on va utiliser plutôt la préposition dans les toilettes. Emma, moi, je chantais sous la douche. C'est la même chose, c'est la même chose. Un endroit différent, mais c'est le même concept. Donc Emma, quand j'étais enfant, je chantais dans les toilettes, ok. Rory qui nous dit, quand j'étais enfant, j'avais 15 petits poulets. Oui, tous les jours. Alors attendez, je suis en train de voir. Pendant mes vacances d'été, je, et Rory, imparfait, je prenais, P-R-E-N-A-I-S, je prenais soin de mes petits poulets, c'était imparfait, très difficile, quand nous les mangions. Oh, c'est une tragédie votre histoire, Rory. Alors, Ice Cubes nous dit, pourquoi il n'y a pas de leçons phonétiques les week-ends, professeur? J'ai une famille, Ice Cubes. J'ai une famille. Alors, ensuite, I Just Call nous dit, j'étais tranquille et j'aimerais lire des livres, d'accord. J'étais tranquille et j'aimais. Était, E accent aigu, T-A-I-S. J'aimais, A-I-M-A-I-S.
Finzark nous dit quand j'étais enfant, je regardais, bah bien sûr, le fantôme qui volait dans le ciel. Dans. Faites attention, Finzark, dans le ciel. Joseph nous dit quand j'étais enfant, je vivais avec mes parents dans l'Est d'Ouganda. Très bien. J'avais un t-shirt avec le mot Paris et tout le monde m'appelait Paris. Ça me faisait. Ouais, faites attention, Joseph. Ça me rendait. Toujours, adverbe, toujours après le verbe, hein, ça me rendait toujours, et après votre adjectif, fier. Batoul nous dit, quand j'étais enfant, j'étais timide et calme, quelle belle histoire. Timide et calme, ça c'est sympathique aussi. Hein. Dayang, quand j'étais enfant, j'avais, souvenez-vous, A-V-A-I-S, j'avais peur de la nuit. Effectivement, quand j'étais enfant, je lisais des romans, nous dit Shaima et Chanel. Tenzin, bonjour Vincent, quand j'étais enfant, j'aimais, Tenzin, imparfait s'il vous plaît, j'aimais beaucoup faire la natation. Aimais, A-I-M-A-I-S. Très bien, je pense que la lune chassait notre voiture. Ah, ça c'est excellent, merci beaucoup. Allez, on continue avec l'exercice qui suit. Regardez l'exercice qui suit, c'est comme d'habitude, hein. Décrivez la photo s'il vous plaît. Attendez, quelqu'un vient d'écrire. Quand j'étais enfant, j'apprenais à l'école. Ensuite, je jouais et faisais mes devoirs. Ouais. Regardez, donc j'apprenais, hein, donc ça c'est l'imparfait. Je jouais, c'est toujours l'imparfait. Et je faisais, pluriel, mes, M-E-S, devoirs, D-E-V-O-I-R-S. Merci beaucoup. Elle est bizarre cette musique. Alors, on va attaquer directement parce que Joseph était impatient. Les gens sont en vacances et ils chantent. C'est parfait, Joseph. Dayan nous dit, ils sont faire la tente de camping. Faites attention, Dayan. Ils font du camping. Je pense que l'expression plus simple, ce serait faire du camping, Dayan. Ils font du camping, ce serait beaucoup plus simple. Émilie nous dit, sur la photo, il y a des gens qui campent et on dirait qu'ils s'amusent et sont divertis par l'homme qui joue de la guitare et chante. Ouais. Alors, Émilie, elle a un petit peu longue votre phrase, elle est grammaticalement correcte, mais elle est un petit peu longue quand même. Il faudrait qu'on travaille dessus, Émilie. Mais elle est grammaticalement correcte. Michel nous dit un groupe de personnes. Faites attention, Michel, parce que quand vous dites un groupe de personnes, effectivement, c'est une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est singulier, un groupe de personnes. Fait du camping pendant qu'il fait beau. Ouais. Judith, c'est l'été, ils ont fait des vacances ensemble dans la forêt. Ouais. Passer,
passer des vacances, ce serait plus adapté, Judith. Ils passent les vacances ensemble dans, et vous mettez un article, la forêt. Finzark nous dit, sont-ils perdus dans la forêt? Probablement. Ick nous dit, il y a des amis qui s'amusent entre eux en écoutant la musique. Faites attention, Ick, les mots en Ick, justement, en français, c'est I-Q-U-E. J'ai expliqué, il y a juste une exception et c'est public. Les autres, c'est I-Q-U-E. Donc, en écoutant la musique de leur guitariste, avec un E, sous les longs arbres de la forêt. Masculin arbre, long, L-O-N-G-S. Rory nous dit, 5 amis dans une fête de camping, l'homme. Faites attention avec le mec. Faites attention, Rory. Le mec, c'est vraiment, vraiment informel. L'homme, c'est bien. Joue de la guitare tandis que ses amis, S-E-S, attendez, je dois regarder en haut maintenant, ses amis, S-E-S, chantent. Je pense que c'est une très bonne idée, mais pas maintenant. Ne pas, vous l'utilisez juste pour les verbes, mais pas maintenant. Classis, les amis sortent dans la forêt et font, Classis, F-O-N-T, du camping. C'est gentil, masculin. Quand on utilise c'est toujours un adjectif au masculin, Classis. Gentil, G-E-N-T-I-L, d'avoir la musique de la guitare. Sohail nous dit... Dans l'image, il y a un groupe d'amis qui chantent et s'amusent au camping. Sohail, c'est parfait. Ben Mae, les gens campent pour un festival de musique. Ben, c'est parfait. Shai Mae nous dit un groupe de personnes qui aiment la nature. Pas de problème, magnifiquement écrit. Ensuite, est-ce que c'est Alexander ou Alexandra? Je ne sais pas. Je vois dans cette photo des touristes. Un homme joue de la guitare. Une femme chante. Faites attention, jouer de plus un instrument. Emma nous dit un groupe d'amis campe sous les arbres. Oui. Alors, faites attention parce que Emma... Un groupe d'amis, le sujet, c'est un groupe. Et donc, c'est singulier, camp, C-A-M-P-E, d'accord? C'est pas les amis qui campent, c'est le groupe, hein, paradoxalement. Christine nous dit, il y a un homme qui joue de, Christine, de la guitare. Jouer de plus un instrument, d'accord? Claudia nous dit... Oh, je suis perdu, Claudia. Claudia, il y a trop de gens qui ont participé. Dans la photo, on peut voir un groupe d'adolescents. Ils sont au camping et ils passent une journée magnifique ensemble. Le garçon joue de la guitare. Il... Attention, attention. Bien, Claudia, c'est un adverbe. Il s'amuse. Bien, adverbe après le... Verbe. Ils s'amusent bien. Finzark, ils ont vu... Attendez, ils ont vou... Est-ce que c'est ils ont vu ou ils ont voulu aller à la plage, mais ils n'y ont pas pu à cause d'un tsunami. Oh ! Avec Finzark, c'est toujours dramatique, les histoires. Allez, on continue avec ça. Et puis, après, on va voir comment ça va se passer. Attendez, je clique. Donc, vous devrez utiliser que, et j'attends vos traductions pour cette phrase.
Alors, regardons ce que vous nous avez proposé. Donc là, effectivement, on avait deux approches, hein. On avait soit good était alors traduit avec bon ou avec beau. Personnellement, j'irais sur bon. Donc regardez la façon de structurer. La façon de structurer, ça va être assez basique finalement. On commence avec que. C'est l'idée de l'exercice. On commence avec que. Après ça, vous voyez qu'on va utiliser c'est. Et finalement, on mettra notre adjectif. Souvenez-vous, quand on utilise c'est, on met l'adjectif au masculin. Que c'est bon. Et si vous êtes vraiment puriste, vous allez mettre un magnifique point d'exclamation. N'oubliez pas l'explication que je vous avais donnée. On met un espace avant le point d'exclamation. Que c'est bon! Et ça, c'est une expression vraiment, vraiment, vraiment classique. Alors, regardons maintenant, et ça, je pense que Michel pourra probablement nous donner la bonne solution en premier. Allez, on attaque! Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre effectivement comment ça fonctionne. Donc, nous reprenons exactement le même schéma que nous avions précédemment. On commence avec que. Ensuite, on va utiliser c'est. Et après, dans ce contexte ici, on parle plutôt de l'aspect esthétique. Donc, on va utiliser l'adjectif beau. Et on va l'utiliser effectivement plutôt au masculin parce que, attention classis, ce n'est pas une option. Quand on utilise c'est, on utilise toujours le masculin. Que c'est beau. Et on n'oublie pas un bel espace avant notre point d'exclamation. Et je pense que apparemment tout est clair. Rory pleure. Mais non, Rory, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Si vous avez compris, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si vous dites que c'est belle, c'est bizarre parce que ce sera toujours, toujours avec un adjectif masculin. Allez, on continue, s'il vous plaît. Eh ben voilà, et vous voyez, c'est incroyable, c'est incroyable, et c'est une magnifique façon de terminer la semaine, parce que regardez,
Tout le monde a compris. Quand vous regardez vos réponses, vous voyez que vous avez compris la façon dont ça fonctionne. Faites attention, après, bon, on n'utilise pas vraiment gros. Hein. Gros, c'est un autre, c'est une notion qui est plus générale. Gros, c'est plutôt des kilos. Et grand, c'est plutôt des centimètres ou des mètres, d'accord ? Ça, c'est pour Sohail. Donc, ici, on va plutôt utiliser que c'est grand. Et là, tout le monde l'avait trouvé, hein, effectivement, Michel, c'est bon. I just call, c'est bon. Rory, pas de problème. Christine, formidable. Tenzin, c'est bien. Ben Mae, incroyable. Victoria, Alexander, je ne sais pas si c'est Alexander ou Alexandra. Ensuite, Michel, Gwenwa, que c'est grand, Classis, c'est pareil. Enfin, tout le monde le trouve, c'est incroyable, bravo. Attention, impressionnez-moi pour celui-ci. Alors, voilà, donc attention, Ice Cubes veut faire la révolution, et Ice Cubes, c'est... non, c'est pas comment, Ice Cubes, parce que l'idée de l'exercice, justement, on est dans des exercices systématiques, on est là pour utiliser le que. Donc, vous allez commencer avec votre que. Et là, c'est parfait. Vous allez mettre votre verbe, et encore une fois, c'est. Et vous allez mettre votre adjectif, et nous sommes d'accord que l'adjectif sera automatiquement au masculin. Que c'est petit, avec un petit espace, juste avant votre point d'exclamation. Je vois que tout est clair pour tout le monde. Et là, franchement, c'est incroyable. Attention, ça c'est moyennement sympathique, mais c'est possible. Alors, je suis en train de regarder vos réponses. Effectivement, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va traduire ce mot qui n'est pas très sympathique. Alors, la première traduction, et c'est exactement la même traduction ou la même signification, c'est « les ». Faites attention, on l'écrit « l-a-i-d ». C'est effectivement l'adjectif « les » au masculin. Si c'est la version féminine, ce sera « les d ». D'accord ? Certaines personnes m'ont proposé « moche », comme Curtis ou Samantha. Je l'accepte parce que c'est du français parlé. On l'utilise très facilement. Michel Réminou propose que c'est « moche ». Oui, c'est du français parlé. On est d'accord ? Ça passe, il n'y a pas de problème.
L'adjectif laid est l'adjectif qui est vraiment l'adjectif standard. Adriel nous dit moche aussi, et ça passe, pas de problème. Ice Cubes, vache! Merci Ice Cubes. Ah mais non, non, non Ice Cubes. Mais c'était très sympathique de voir Vache qui arrive comme ça, bizarrement. Alors, vous avez donc deux possibilités, que c'est laid ou que c'est moche. Alors, Christine Watson nous propose que ce n'est pas beau. C'est un peu lourd, hein, Christine. C'est un petit peu lourd comme structure. On a un adjectif. L'adjectif, c'est laid. Donc, en fait, on ne va pas vraiment utiliser, surtout dans ce style de structure qui doit être assez courte. Donc, on va utiliser que c'est laid ou que c'est moche. Mais on est d'accord que c'est pas très sympathique. Mais voilà, c'est plus fluide que ce n'est pas beau. Techniquement, c'est possible. Grammaticalement, Christine, c'est possible, mais c'est pas fluide à prononcer. Allez, ça c'est le dernier pour aujourd'hui, et après, je vous laisserai continuer votre vie. Alors, et c'était la réponse que je pense tout le monde a trouvée, puisqu'ici, Finzark avait un doute, mais effectivement, c'était la bonne chose. Michel, Rémi, attention Michel, souvenez-vous, comme on utilise c'est, votre adjectif est automatiquement au masculin, Michel. Mauvais, A-I-S. D'accord? Comme tous les autres, effectivement, que c'est mauvais. Souvenez-vous, un petit espace, ce serait formidable, un petit espace juste avant votre point d'exclamation. Youpi! Fernando Silva est devenu un membre! Il m'a offert un café! C'est formidable. Merci beaucoup, Fernando Silva. Mais vous arrivez à la fin de notre cours. Et c'est dommage. Tout le monde nous dit que c'est mauvais et c'est formidable. Judith, que c'est mauvais, c'est bien. Ben Maï, que c'est mauvais, c'est bien. Abir aussi. Classis, pas de problème. Je crois que tout le monde a compris. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Ben écoutez, mais pas encore comment ça va fonctionner pour le week-end. La meilleure technique pour savoir si je ferai des lives, et je vais probablement en faire, mais j'ai une vie personnelle, je m'adapte. Abonnez-vous à la chaîne. Et quand vous êtes abonné et quand je commencerai à faire des lives, vous pourrez savoir quand je suis en ligne. Ok? Je pense que demain, samedi, je ferai probablement au minimum deux vrais lives comme ça. Et probablement dimanche aussi. Mais écoutez, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Je vous remercie. Passez une bonne soirée, journée, matinée.
Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.